Hey, bonjour à tous, bienvenue sur Transport Fever 2, bienvenue sur la ville du Sud pour ce nouvel épisode, pour continuer un petit peu l'aménagement donc de cette ville du Sud. Dans le dernier épisode, on avait donc refait l'entièreté du dépôt ferroviaire, qui était une pièce que j'avais faite il y a quand même quelques temps, enfin, pas assez tôt, enfin, je sais plus exactement, mais assez tôt je crois dans la série, donc bon, je me suis dit, bah, il y a quand même une grande marge d'amélioration, donc allez, on est parti, et comme je l'ai dit, il est plutôt pas mal. Du coup, on continue ou pas sur la série des améliorations, enfin des rénovations des anciennes zones de la ville, après l'aéroport, la gare de Bellevue, le dépôt. Eh bien, on change complètement de registre puisque je me mens à moi-même. J'avais dit que la ville du Sud ne gagnerait plus en superficie, enfin particulièrement en superficie. Eh bien, en voilà un tout nouveau quartier qui va occuper bien de l'espace. Donc, pourquoi ce nouveau quartier? Parce que j'ai un projet que j'ai légèrement teasé dans l'épisode dernier. Un projet auquel il fallait une arrivée, un point de fin, j'ai pas envie de dire le mot. Donc écoutez, bah, je me suis dit, je vais pas trop le choix, on va créer un quartier, et en plus, depuis pas mal de temps, je me demandais qu'est-ce que je peux bien mettre là. Je trouve ça un peu dommage que l'autoroute fasse une vraie barrière comme ça, et qu'en fait, il y a vraiment la ville qui s'arrête entourée par l'autoroute et rien à côté. Donc, au moins, je pense que ça permettra d'englober un peu l'autoroute dans la ville, ce qui peut rendre bien. Ça fait un peu... Alors, je compterais ça comme un quartier de la ville. Ça pourrait très bien s'apparenter à une ville autour, finalement. Une ville de périphérie, c'est à peu près ça. Puisqu'elle est quasi autonome. Enfin, elle est autonome, d'ailleurs. On a vraiment tout commerce, tout qui est bien en place là-dessus. Enfin, voilà. Donc comme vous pouvez le voir, là on est en train de construire donc le plan de route de cette ville. Ça va être un plan plutôt assez carré, assez rectangulaire, parce que c'est plus facile pour moi. En fait, j'ai utilisé les assets de Maison Française par Hugo, qui me permettent en fait de m'économiser beaucoup de temps dans tout ce qui est détaillage de maison, plutôt que d'avoir à chaque fois à placer les barrières, les assets, les arbres, etc. Bah là, il y a des trucs tout faits. Mais du coup, c'est du carré, donc je garde en gros ce principe de... Enfin, je prends quand même un pattern carré globalement, mais que j'essaye de casser, et j'améliore en fait les angles pour que ça rende pas mal. Du coup, l'esprit, ça se ressent un peu, mais on est sur une ville qui est assez nouvelle, en gros, avec des bâtiments qui sont vraiment pas vieux. Ce qui peut expliquer en gros le fait que ça soit carré, c'est que c'était optimisé pour ça. On n'est pas sur des vieilles propriétés où on peut avoir des frontières, des bordures un peu chaotiques. Mais voilà, c'est un peu l'esprit, un truc assez récent dans lequel on aurait du coup des bâtiments plutôt récents. Associé à ça, du coup, une petite entreprise, qui donc je trouvais avait pas mal sa place pour ponctuer justement cette zone résidentielle un peu en bordure de ville, où du coup on aurait aussi des entreprises qui ont été intéressées par s'implanter, parce que c'était un nouveau territoire avec un potentiel de bâtiments neufs, hein, plein de choses comme ça, et que du coup c'était assez avantageux. Donc certaines entreprises, on est que sur des entrepôts, en gros des entrepôts qui sont finalement assez récents, qui s'installe dans cette zone. Donc voilà, un petit entrepôt, zone de pas de livraison, mais de pas de stockage avant livraison au lieu final. Voilà à peu près pour les grandes lignes de cette ville.
continuer après cette petite pause assez prématurée, assez tôt dans l'épisode. Mais bon, on varie les plaisirs. Un petit point aussi que je voulais relever sur un élément, enfin de... un élément, je sais même pas pourquoi j'ai ça. En fait, c'est juste que cette construction, donc cette nouvelle ville, prend beaucoup de temps. Bon, ça, je pense que vous vous en doutez, à peu près comme tout sur TPF2 qui nécessite un peu de détails, ça prend du temps. Mais à l'heure actuelle, en fait, je n'ai pas fini cette ville, donc il y aura un deuxième épisode sur cette ville. Je vais pas en faire plus, j'ai hésité un petit peu. Parce que globalement, je préfère essayer de varier les contenus, ne pas faire des épisodes trop redondants, mais bon, là, ça, je serais de faire des trucs un peu différents, de vous montrer, même si bon, le détail reste toujours le même à peu près, construire des maisons et habiller autour. Voilà. Donc là, on a cette petite zone que je trouvais sympa de laisser comme ça, comme j'essaye de construire un peu en escalier, parce qu'on est quand même collé à la montagne, et que si je faisais un truc vraiment tout plat, on allait se retrouver avec une falaise gigantesque au bout. Là, j'essaye d'un peu de cacher la misère, entre guillemets, en faisant ces escaliers pour diminuer très légèrement, quand même, faut le dire, bon, c'est pas une solution miracle, mais pour diminuer un petit peu le dénivelé qu'on a au bout du bout du bout. Ce qui... je trouve que là, ça passe pas trop mal. Bon, c'est abrupt, c'est sûr, mais c'est correct. Et puis, on peut cacher la misère avec des forêts, donc tout va bien, tout va bien. Donc, on continue avec le détaillage, avec les maisons. On profite du fait qu'elles soient carrées. Ça permet d'aller quand même un petit peu plus vite que si c'était... enfin, que s'il fallait tout détailler, encore une fois, j'ai déjà dit. C'est pour ça que ce choix. Là, vous voyez, je vous épargne une grande partie du détaillage de ces pentes. C'est toujours la même chose, toujours le même fonctionnement. J'utilise là les herbes, un mode qui est fait par Ingo1111, qui rajoute des herbes, enfin du brush, qui, je trouve, rend très bien et permet d'avoir ces mix de couleurs et un truc beaucoup plus riche que juste l'herbe de base. À des moments, je me dis, je force un petit peu trop sur l'herbe, sur les couleurs, sur les arbres. Je le sais globalement dans TPF, de toute façon, je peux parler en mon nom, mais je pense pas que. Toujours tendance à vouloir en faire trop dans le détaillage. Donc, bon, c'est un fait. En réalité, en vrai, il y aura peut-être juste un peu d'herbe verte tout court, mais pas forcément tous ces buissons qui sortent de terre. Enfin, tout, mais comme ça rend bien, c'est joli à voir. Bah, pourquoi pas. Là, vous voyez. On est sur les escaliers, ces escaliers qui visent en fait à garder l'ensemble de la ville assez fonctionnel pour avoir un peu de piétons qui se baladent. C'est pas le cas pour l'instant, mais à terme, normalement, ça devrait le faire. Donc tous ces escaliers-là sont fonctionnels, c'est-à-dire que les piétons pourront les descendre. Et en plus, comme il est pas trop mal fait, hein, ils descendent pas trop mal les escaliers. C'est-à-dire, dans City Skyline notamment, je sais qu'il y a des moments, bah, on voit les piétons qui flottent. Là, ils flottent un petit peu, ils volent un peu, mais pas trop. Vous voyez, après, à côté de ces maisons, lotissements individuels, je me suis dit, bah, on va quand même essayer de pas faire un esprit trop lotissement individuel, etc. Donc on va mettre des grandes résidences comme ça. Ça fait des contrastes, mais je trouve ça pas trop mal, et en plus, je dirais presque assez réaliste. Bon, j'ai un doute là-dessus. Je suis pas sûr de ce que j'avance, mais ça a vraiment son charme, cet esprit de, en gros, on retrouve des petits lotissements, Et de temps en temps des grandes résidences, évidemment tout ça dans un style moderne comme je l'ai dit, puisque c'est globalement l'esprit de la ville,
l'esprit, c'est pas trop ça ce que je veux dire, bon, l'esprit, bref. Mais voilà, donc là encore une fois des résidences, j'utilise les bâtiments que j'ai à ma disposition par le jeu. À des moments c'est vrai que c'est un peu limitant, je pense que je rate beaucoup d'éléments, enfin de... Je rate beaucoup de bâtiments qui existent, que ce soit en mode séparé ou même des bâtiments du jeu. Mais à des moments, c'est compliqué en direct, en fait, quand t'es en train de construire, tu sais plus trop quel mode utiliser. Tu sais qu'il y a un mode comme ça qui fait ce que tu veux, mais tu sais simplement plus lequel c'est, en fait. Comme vous avez pu le voir aussi, on a touché un petit peu à ce que j'ai envie d'appeler, enfin finalement c'est le centre-ville de ce quartier, cette ville, je ne sais pas, bon bref. D'ailleurs elle a un nom, elle va s'appeler Clan-sur-Mont, non Clan-sous-Mont, parce qu'on est sous le mont, mais Clan-sous-Mont, le quartier, enfin, peut-être Clan tout court d'ailleurs, je ne sais pas encore, parce que Clan-sous-Mont je trouve ça un petit peu lourd, mais voilà. Donc on s'était occupé un peu du centre-ville, un centre-ville, bon alors pas gigantesque, beaucoup plus petit que le reste, mais juste avec des tours un peu plus hautes, vous verrez juste après, on va continuer les détails pour mettre un peu la place, enfin les pavés en gros au sol, mais voilà, avec cette église, vous avez pas vu, j'ai fait pas mal de choses en off pour cette ville, parce que sinon j'aurais eu 10-15 heures d'enregistrement, enfin de record, ce qui fait un peu beaucoup. Écoutez, la vidéo touche bientôt à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu. Le prochain épisode ne sera très très certainement pas sur la suite de cette ville, puisque j'essaie quand même de varier un peu, donc on aura un épisode entre les deux, la suite, pour pouvoir ensuite avancer sur le projet secret, qui n'est pas secret. Enfin voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, et moi je vous donne rendez-vous à la prochaine. Allez, ciao !